everyone. This is Ayman Tarabishi with the International Council for Small Business. I am the ICSB Executive Director. I am also Deputy Chair of the Department of Management at the George Washington University School of Business. I am delighted and I am excited to be here today to announce our first ever webinar in the French language. And I unfortunately do not speak French. I speak Italian and I speak Arabic and I speak broken English, but I do not speak French. So with that, I am also delighted and really excited to introduce Dr. Adnan Malawi from IPAC School of Business. A couple of weeks ago, we had the Dean of IPAC, so they're back again. But this time, the webinar will be in French, and it's about disadvantaged entrepreneurship. And this is an area of expertise of Dr. Adnan. And I have to tell you, I love Paris. I think all of us love Paris. We were going to go there for our World Congress, but we had to postpone it till next year. But we are excited that we are going to go there next year, and we're going to have more days, more sessions, more activities just to make up for this year. So please be patient with us as we double up or we double down, if you ever want to say it, and we go there. With that, I am delighted to give the floor to Dr. Adnan, which will take us through the presentation in French. If you have any questions, you can write them in the chat section, and after the presentation, we'll go back and review them all. Thank you, and Adnan, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Al-Tarabishi, and thank you for this invitation. It's an honor for me to join you, to join ICSB Exchange. Beautiful experience, and thank you to ICSB for this opportunity. I will switch in French right now. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une notion qui est vraiment, je dirais, d'actualité, qui est celle de l'entrepreneuriat des publics désavantagés. On parle d'entrepreneuriat, de publics désavantagés, donc il y a beaucoup de personnes qui mettent un veto à ce type de relation et ils estiment que c'est une relation complexe. Mais loin de là, cette idée, nous allons vous montrer tout au long de cette présentation que c'est utopique, puisqu'effectivement, nous assistons à l'émergence de nombreux héros que sont effectivement les entrepreneurs désavantagés. Avant tout cela, bien sûr, je vais me présenter, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, pour me connaître un peu. Je m'appelle Adnan Malawi, donc je suis marié à Nadia, et j'ai un petit garçon qui va avoir 2 ans dans à peu près 4 jours. J'adore rigoler, je suis très créatif et très curieux, et surtout, je suis un serial entrepreneur. Je suis un entrepreneur digital, je suis un entrepreneur de la head tech et je suis tout court un entrepreneur tous les jours. Je vois des opportunités et c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui me permet, je dirais, d'apporter les meilleurs conseils à mes étudiants. J'adore passer du temps avec ma famille, j'aime le football, mais surtout aussi j'aime les autres. Je suis dans l'entraide, j'aide beaucoup les personnes, les publics désavantagés et je pense qu'on doit être quelque part, même si on n'a pas toujours les moyens, on se doit d'être philanthrope. Mon club de cœur, c'est l'OM, bien évidemment, comme toute personne qui se respecte en France. Et surtout, comment je me vois dans les 10 ou voire plus prochaines années, je me vois entre Paris, bien sûr la France, mon pays de cœur, et bien sûr la Tunisie, le pays de mes parents, passer du temps en famille et bien sûr en bonne compagnie. Alors, pour être un peu plus sérieux, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous présenter Adnan Malawi, aussi le chercheur, le profil académique. Je suis co-directeur de l'IPAG Entrepreneurship and Family Business Center. Donc, je suis enseignant-chercheur, full professeur à l'IPAG Business School. Et je suis en même temps, je dirais, responsable du département stratégie et management, un département que je gère depuis 2 ans. Mon principal topic, en tout cas du moins pour mes recherches, mais aussi pour la valorisation de mes recherches et ma recherche-action, c'est bien sûr les publics désavantagés ou plutôt les entrepreneurs désavantagés. Je suis programme chair de l'ICSB 2021. Donc, comme le disait Dr. Al-Tarabishi, nous serons heureux de vous accueillir en juillet 2021 pour effectivement assister à l'ICSB World Conference avec beaucoup d'activités, beaucoup de policy makers, beaucoup de politiques, beaucoup de professeurs, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Et nous allons essayer, et nous allons le faire, nous allons mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour réussir cet événement, malheureusement dû à cette pandémie qui a été décalée à l'année prochaine.
Je suis aussi membre de l'ICSB, qui est une grande famille depuis 2011. J'assiste systématiquement à toutes les conférences, mais aussi je participe activement auprès du board constitué donc par l'actuel président Dr. Ahmed Rossman et le directeur exécutif Ayman Al-Tarabishi de la George Washington University. Et je suis depuis l'année dernière associate éditeur dans JSBM, EMR, IGUSB et d'autres revues, bien évidemment. Alors, c'est quoi l'IPAG Entrepreneurship Center? D'abord, c'est important de vous dire un peu l'écosystème que nous avons construit, co-construit avec Andrea Calabro, qui est bien sûr mon acolyte sur le centre. On est basé entre Paris et Nice, mais aussi nous avons un autre campus à Kunming en Chine. Et nous avons deux incubateurs, un localisé à Paris et un localisé à Nice. Engage Incubateur, c'est un nom qui veut tout dire et qui répond aussi quelque part à la thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire un engagement. Nous cherchons un engagement de nos étudiants, un engagement social, solidaire, humain. Essayer d'aider le prochain, c'est notre devise et c'est ce qui fait de nous, je dirais, des acteurs actifs au sein de l'écosystème parisien, français, niçois, français, mais aussi européen. On a monté un fundraising center avec bien sûr différentes activités. Nous avons et nous gérons actuellement 5 projets européens en lien direct avec toujours la même thématique. Typiquement, nous avons un projet européen financé qui traite des prisonniers entrepreneurs, un autre projet qui traite de l'intergénérationnel, comment les jeunes interagissent avec les seniors pour créer de la valeur économique et sociale et donc des start-up. Et nous avons aussi un projet notamment qui traite de l'anticorruption, un autre qui traite du link de tout ce qui est digital, IA et RH, et le dernier qui traite, et toujours dans la même thématique de notre, je dirais, de notre ligne directrice du centre, c'est-à-dire Women Tech, donc les femmes, évidemment, qui œuvrent et qui entreprennent dans la tech. Nous avons et nous sommes en train de développer un virtual incubateur. Vous aurez certainement l'information via l'ICSB. Nous avons développé des short programmes sur tout ce qui est TPE, PME, entrepreneuriat, intrapreneuriat, management bien sûr de tout ce qui est family business. Et nous sommes passés cette année à plus de 46 étudiants en master entrepreneuriat et management de projet qui animent notre formation initiale. Nous sommes passés à plus de 70 étudiants, sachant que nous avons récupéré l'entrepreneuriat en 2018 avec Andrea. Donc, nous sommes très contents de ce que nous réalisons. L'incubateur, quant à lui, abrite bien sûr à peu près plus de 40 étudiants entrepreneurs, projets incubés entre alumni et bien sûr étudiants. Et nous avons à peu près une dizaine de mentors, dont 5 professeurs qui agissent autour de cet écosystème. Alors, la transition, elle est facile à faire hein, de ce que nous faisons et ce que nous sommes en train de faire. Elle est très facile. Pourquoi ? Parce que notre devise, notre leitmotiv, j'ai envie de dire, à l'IPAG Entrepreneurship and Family Business Center, c'est tout simplement l'humanité. Je rejoins ce que dit le professeur Parente, ce que dit le professeur Kishan, ce que dit le professeur Tarabishi about cette question d'humanité et comment elle est centrale au niveau de la création de valeur, quelle qu'elle soit. Quelle que soit son origine, quel que soit son objectif, quel que soit le but vers lequel nous allons tendre, nous sommes dans un, je dirais, dans une prédisposition humaine. Humaine, créative, sociale, commune et communautariste, on va dire. Pourquoi communautariste? Attention, le terme est choisi exprès pour vous provoquer. On est dans une communauté dans laquelle, effectivement, la question d'humaine avec un grand H est hyper importante. Ce qui n'empêche pas derrière, bien sûr, parce que on pose toujours la question, est-ce que dire que l'entrepreneuriat social ne peut pas être innovant, c'est complètement anecdotique. L'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat humain, tel que nous le concevons, il peut être innovatif et c'est pour ça que nous sommes totalement innovants. Alors, un petit très rapide, je dirais, une petite introduction sur la notion d'entrepreneur. Très simple, c'est quoi l'entrepreneur pour nous au niveau du centre, mais aussi au niveau d'Adnan Malawi? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il ne faut pas chercher. L'entrepreneuriat, c'est thinking out of the box, c'est penser différemment, penser d'une façon qui ne ressemble pas à l'usuel. Vous allez sortir des sentiers battus, vous allez chercher et trouver des opportunités d'affaires là où les autres n'en voient pas. Et c'est ce qui fait toute la différence entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. Les entrepreneurs aiment le risque, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs qui aiment le risque calculé. Nous sommes face à une nouvelle, je dirais, culture.
la nouvelle culture qui s'installe de plus en plus. Si vous regardez en France, on est un pays qui est totalement maintenant axé sur l'entrepreneuriat, la création de valeur. La France est le pays de l'entrepreneuriat par excellence. Avec le Brexit, encore plus, puisque la plupart des fonds, des private equity, VC et autres, ont migré vers Paris, capitale, nouvelle capitale européenne, j'ai envie de dire. Et donc forcément, ça stimule l'écosystème avec Station F, avec la BPI, avec tout un tas d'acteurs, même les banques qui culturellement ne sont pas vraiment les meilleurs atouts, les meilleurs supports des entrepreneurs, se transforment en vrais vecteurs accélérateurs de business. Donc on est face à un écosystème qui prend de plus en plus la mesure de la responsabilité qu'il a. En France, vous avez une émergence aussi de micro-entrepreneurs, d'entrepreneurs indépendants, qui sont là et qui constituent à peu près 70% du total des créations d'entreprises en France en 2020, 2019, 2018. Une montée en puissance avec une fédération qui les anime, la Fédération des auto-entrepreneurs, avec bien sûr des règles de fonctionnement. Mais cela ne permet, en tout cas du moins permet de plus en plus à créer de la valeur. Et ces auto-entrepreneurs, peu importe, je dirais, la structure juridique qui les abrite, ces entrepreneurs, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, SAS, SARL, peu importe, tous ont un objectif, c'est créer de la valeur. Et bien évidemment, il faut savoir que ce qui va animer cet entrepreneuriat, c'est aussi le côté financier. Celui qui vous dit que l'entrepreneuriat, c'est avant tout vivre d'amour et d'eau fraîche, un business social ne peut pas être fondé sur le gain financier, et ainsi de suite. C'est une assertion qui est complètement fausse. Pourquoi c'est une assertion qui est complètement fausse? Parce que tout simplement, il n'y a aucun business au monde qui ne peut pas, en tout cas du moins qui peut perdurer sans un business model rentable. Et il faut être sûr aussi de la chose suivante, c'est qu'on peut aussi mixer social, humain et business. L'humain et le social ne peut être financé que par le business. Donc on peut fonder notre entreprise sur, je dirais, des éléments factuels, une idée sociale, humaine, solidaire, mais cela n'empêche qu'on doit créer de la valeur économique. Et donc, ça veut dire derrière, il faut absolument générer un modèle économique qui soit rentable pour le futur. Alors, comment switcher vers cette question de public désavantagé? C'est très simple. Si vous regardez l'ensemble des entrepreneurs, la constitution, effectivement, de ce panel qui sont les entrepreneurs, c'est très simple. Vous allez trouver différents types de profils. Vous allez trouver différentes, je dirais, façons de voir les choses. Vous allez trouver des gens de différentes, des personnes de différents horizons, des personnes de différentes cultures, des personnes qui viennent de très très loin pour créer de la valeur dans un pays qui n'est pas le leur. Il y a des personnes qui souffrent de problématiques physiques, mentales et autres. Bien évidemment, tous les entrepreneurs ne sont pas jeunes. Les entrepreneurs sont jeunes, moins jeunes, seniors. Ils sont aussi considéré en fonction de cette question du genre, c'est-à-dire homme, femme, autre. Donc la question de genre est intimement, je dirais, plus que présente. Aussi, on voit de plus en plus des personnes qui recherchent une deuxième chance. La deuxième chance via effectivement l'entrepreneuriat des prisonniers. Donc on est face à un ensemble de personnes qui constituent peut-être la majorité d'entre nous. Et au final, les publics désavantagés tels qu'on les cite, comme vous le savez, sont des publics qui sont, je dirais, à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un objectif qui peut être personnel comme il peut être effectivement collectif. C'est pour ça que l'entrepreneuriat des publics désavantagés est, je dirais, un des plus beaux terrains, en tout cas de jeu d'entrepreneurs qui puisse exister. Et l'entrepreneuriat des publics désavantagés, c'est quelque chose qui va permettre à ces publics-là de s'émanciper, de s'autodéterminer et bien sûr de trouver, je dirais, peut-être une passion. Retrouver une passion qu'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une question de passion. Donc, les publics désavantagés dans leur ensemble, c'est qui? C'est les seniors, c'est les publics atteints de, les personnes atteintes d'un handicap, c'est les femmes, bien sûr, c'est les étudiants, les jeunes, les immigrants, immigrés, réfugiés et bien sûr les prisonniers. C'est un peu, je dirais, ce que j'ai essayé de retrouver, en tout cas en termes d'écosystème. Je pense que ce sont les publics qui souffrent le plus de discrimination, mais aussi c'est un public qui est tout simplement qualifié pour moi de héros. Ce sont les nouveaux héros de l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, mort à l'entrepreneuriat version, je dirais,
exemptée de mille, et gloire au nouveau roi de l'entrepreneuriat, caractérisé par une présence forte de ses publics désavantagés. Alors, l'idée, c'est bien sûr avant tout un challenge. Pourquoi en fait on parle de désavantagés? Parce que forcément, il y a un problème. Un problème qu'on a identifié. Un problème qu'on a identifié, bien sûr, sur la question de qui est le plus favorisé à l'entrepreneuriat. Qui est le plus favorisé, bien sûr, à la création économique, sociale, humaine. Qui a plus de facilité à accéder à la création d'entreprise. C'est simple, on est face à un challenge. Lorsque vous regardez un senior qui a plus de 50 ans et qui, est, par exemple, se retrouve par la force des choses sur le marché de l'emploi à nouveau, un, il n'a plus l'habitude. Deux, il est contraint de trouver un emploi. Trois, il doit créer son propre emploi. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le recruter, parce qu'il coûte cher, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Mais on y reviendra. Lorsque vous êtes face à, par exemple, à une personne atteinte d'un handicap, est-ce que vous avez déjà vu, sans citer les enseignes, dans une enseigne de luxe, dans une boutique de luxe, de maroquinerie ou peu importe, une personne atteinte d'un handicap travaillant en tant que, par exemple, vendeur ou premier vendeur responsable de boutique? J'en ai pas vu. Si vous en avez, en tout cas, si vous les avez vus, j'aimerais bien le voir. Parlons des prisonniers. Les prisonniers, pareil. Dès lors que vous sortez de prison ou même avant, vous êtes catalogué. Vous ne pouvez pas, bien sûr, tout de suite prétendre à un emploi. Pourquoi ? Parce que c'est une question de perception. Et surtout, cette perception, c'est tout simplement un jugement. Un jugement de la personne. Donc, ces publics-là vont chercher et créer leur propre emploi. Pareil, on y reviendra un peu plus dans le détail. Et la question en fait qui se pose, c'est quelle est la réelle motivation pour ces personnes-là? Est-ce qu'ils vont créer leur propre emploi, leur propre entreprise parce qu'ils y sont contraints, donc ce qu'on appelle l'entrepreneuriat par nécessité, ou plutôt parce que tout simplement vous êtes face à un public qui a envie de changer de vie, qui a envie de changer de cadre, qui a envie de changer les habitudes, ses habitudes, qui a envie de s'émanciper, de trouver un vrai sens à sa vie? Et là, on est face à un entrepreneuriat voulu. Donc, vous voyez, il y a un dilemme entre les deux. Et la création économique, sociale et humaine, en fait, elle passe par ce dilemme-là, par ce challenge. Comment créer effectivement de la valeur via ce challenge-là? Et tout en étant, je dirais, entre guillemets, opprimé et surtout vu différemment par les autres individus. Alors, évidemment que l'entrepreneuriat, c'est la solution pour ce public-là. Comme je le disais, vous avez un dilemme qui oppose la nécessité à l'opportunité. Comment effectivement être capable de créer son emploi lorsqu'on a une épée Damoclès sur le cou? Comment en fait on va créer son entreprise lorsque par exemple on a travaillé toute sa vie en étant, je sais pas moi, enseignant, en étant agent administratif dans la fonction publique et du jour au lendemain, la personne se dit « là j'ai envie de changer, là j'ai envie de faire autre chose que ce que je faisais ». À 55 ans, la personne se rend compte en fait, qu'elle est passée à côté de sa vie et que toute sa vie, cette personne-là est amoureuse de l'art culinaire. Donc, cette personne-là, elle va tout vendre. Elle va aller s'installer, par exemple, dans le sud de la France. Elle va racheter un bouchon ou créer un bouchon dans l'arrière-pays varois et elle va ouvrir son propre restaurant. Quand bien même, en fait, la nourriture qu'elle va faire n'est pas très bonne, elle n'est pas excellente, mais elle arrive à s'émanciper. Elle arrive à trouver un sens à la vie. C'est le fameux seigneur entrepreneur. Et j'ai beaucoup d'exemples comme cela. Le changement, la reconversion professionnelle, c'est une opportunité. C'est aussi une nécessité. C'est ce que je vous disais. Par exemple, imaginons que vous êtes une personne atteinte d'un handicap et que, par exemple, vous avez un handicap moteur et vous allez prétendre à une activité où on va vous responsabiliser et autres. Tout de suite, vous allez être stigmatisé. Vous allez être stigmatisé parce que, tout simplement, vous n'êtes pas comme la norme. Mais c'est quoi la norme, en fait? Au final, est-ce que la norme, ce n'est pas tout simplement cet ensemble de publics désavantagés? C'est la question en fait que je me pose depuis toujours. Parce que quand je recense tous les profils de personnes désavantagées par rapport à l'entrepreneuriat, même par rapport aussi à l'emploi, au final, je me rends compte que ces individus-là, au final, constituent l'ensemble. Et donc derrière, je me pose la question suivante. Comment et quel type de barrière en fait ces publics-là peuvent rencontrer? Ils rencontrent diverses, je dirais, barrières. Il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle, la barrière de l'éducation, la barrière, je dirais, d'appartenance, la barrière religieuse, la barrière politique, la barrière du genre, la barrière de la santé, la barrière de l'âge,
et la barrière de l'histoire de la personne. Vous voyez, rien qu'en discutant avec vous, je trouve une dizaine déjà de barrières. Sans compter les autres barrières qui vont s'additionner à tout cela. Vous êtes, par exemple, un immigré, vous arrivez dans un nouveau pays et vous voulez créer une entreprise. Vous ne parlez pas très bien le français. Vous n'êtes pas adapté à la culture locale. Vous n'êtes pas habillé comme tout le monde. Ça crée des barrières automatiquement. Les gens ne sont pas aussi ouverts que cela. On est en 2020, certes, mais les appréhensions, malheureusement, existent encore. Et j'ai envie de vous dire, pour ces publics-là, l'entrepreneuriat, c'est la solution, mais c'est aussi une revanche. Une revanche sur l'histoire. Une revanche sur ce qu'ils ont enduré. Je vous raconterai tout à l'heure l'histoire de Didier Roche. C'est une histoire sur les origines. C'est une histoire sur, plutôt, c'est une revanche sur toutes les personnes qui n'ont pas cru en vous. Et ces publics désavantagés sont face à ce dilemme-là. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? C'est simple. Et c'est ce que je dis toujours. Vous allez vous construire. Vous allez vous construire via l'entrepreneuriat. Alors, c'est très facile de dire que l'entrepreneuriat pour ces publics-là est la solution. Non. C'est l'ultime solution. L'entrepreneuriat, c'est l'ultime solution. C'est l'ultime solution pour les publics en question et pour nous tous. Comment créer son propre emploi? C'est simple. Entreprenez. Créez de la valeur. Do it yourself. Faites-le vous-même. Personne ne va vous offrir en fait votre job. Personne ne va vous permettre d'être un entrepreneur à succès. Vous devez vous lever tous les matins tôt. Vous devez faire les choses par vous-même. Faites-le. Tout est possible. Rien n'est impossible en entrepreneuriat, encore moins pour les publics désavantagés. De toute façon, les publics désavantagés sont déjà, entre guillemets, défavorisés par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au marché de l'emploi. Donc, tant qu'à faire, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, l'entrepreneuriat leur permettrait de réaliser leurs rêves les plus fous. Quand je regarde, moi, la Trad, qui ne connaît même pas sa date de naissance et qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune incroyable dans le sud de la France, qui est passé effectivement patron du club de rugby de Montpellier, il me semble, tout est possible. Quand je vois toutes les belles histoires qui ont, je dirais, fait ces entrepreneurs à succès, que sont les publics désavantagés, je ne peux qu'être admiratif. Donc, on est face à une forme de recherche d'autodétermination, comment se déterminer, comment s'affirmer, et une forme d'auto-accomplissement. Parce que l'entrepreneuriat, même si on n'est pas face à un public désavantagé, c'est aussi une forme d'accomplissement. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit, ou en tout cas du moins, leurs origines et leur background, ils vont créer une entreprise parce qu'ils ne sont pas à la recherche de l'aspect financier et capitalistique. Ils sont plutôt à la recherche, je dirais, de quelque chose qui leur manque, l'accomplissement, l'auto-accomplissement. Et ça, plus la reconnaissance, c'est quelque chose qui joue énormément dans, je dirais, dans les expériences entrepreneuriales des uns et des autres. Alors, désavantagé, mais j'ai envie de dire, et and so what? Désavantagé, je dirais plutôt au final, pourquoi ne pas en faire tout simplement un vrai accélérateur? Utiliser cette faiblesse vue par les autres, non pas par nous ou par les publics désavantagés, l'utiliser à bon escient, l'utiliser comme un vecteur, accélérateur, créateur d'entreprise. Et donc, l'entrepreneuriat désavantagé va puiser sa force tout simplement dans ses origines. Alors, on les voit pourquoi, en fait, on dit que les publics désavantagés sont les meilleurs, je dirais, acteurs maintenant économiques et ils nous font rêver, que vous vouliez ou non. Quand on voit qu'il y a des personnes, entre guillemets, désavantagées, souffrant d'un handicap, senior, femme, quarantaine, deux enfants, et qui tentent de revenir dans le circuit du travail, ainsi de suite, et bien en fait, on voit que en fait, c'est ce que je disais, rien n'est impossible. Ce sont les vrais héros de maintenant. Et ils vont nous accélérer et nous amener vers le changement. Et en fait, le changement, il se passe par un changement de culture, par un changement de perception, et de se dire que tout est possible. Donc, si ces publics-là, entre guillemets, stigmatisés, que sont les publics désavantagés, arrivent à entreprendre, pourquoi les autres n'y arrivent pas? C'est simple, c'est une question de volonté. C'est une question de motivation. C'est une question de harne. Ce que vous avez là, c'est la passion qui vous anime. Vous savez, chez n'importe quel individu, il y a une forme de passion. Et les entrepreneurs vont puiser au fond de cette passion-là
au fond de leur trip, j'ai envie de dire, pour braver les barrières, braver les a priori et être bien sûr créateur de ce type de start-up. Donc, changement, oui, ce sont des zéros, évidemment que ce sont des zéros. Ils nous apportent bien sûr des rêves, ils nous disent tout simplement qu'on est capable tous de faire des choses. Et vous savez, là, on parle dans un contexte, je dirais, complètement quand même particulier, qui est le contexte du Covid-19. Si vous voyez au fait que l'entrepreneuriat ne peut pas changer les choses, c'est que vous n'avez rien compris. La solution aujourd'hui à cette, je dirais, pas pandémie, hein, même s'il y a des entrepreneurs scientifiques qui sont en train d'essayer de trouver des vaccins et autres, mais lorsque je regarde les publics désavantagés et je vois que ces publics-là sont là, ils travaillent, ils cherchent à trouver des opportunités, ils transforment le tout. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a un petit artisan, une femme artisan, qui essaye de joindre les deux bouts, qui vient de revenir sur le marché, qui a créé sa propre entreprise, micro-entreprise, et qui là, aujourd'hui, par exemple, a des commandes incroyables de masques en tissu, parce qu'elle fait de jolies choses, parce qu'elle est créative, parce qu'elle est innovante. C'est ça aussi l'entrepreneur. Entreprendre dans la difficulté, entreprendre pour les publics désavantagés, surtout aujourd'hui, n'est pas un problème, parce que la difficulté, ils la vivent tous les jours. Et c'est ce qui fait leur force. Et c'est pour ça qu'on doit s'en inspirer. Le premier exemple que je vais vous mettre en avant, en tout cas du moins aujourd'hui, c'est tout simplement les seniors entrepreneurs, Elderly Entrepreneurship. En fait, les seniors entrepreneurs, j'ai envie de dire, sont, je dirais, un public bien particulier. Alors, ne soyez pas choqués si je vous dis qu'en France, l'INSEE caractérise les seniors à partir de 45 ans. Donc, à partir de 45 ans et plus, vous êtes considéré comme un senior. Et on a un intérêt de plus en plus, je dirais, important, en tout cas du moins, on a intérêt pour ce public-là. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand même, on est dans ce qu'on appelle un système de pyramide inversée. Et donc, la pyramide inversée veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de seniors, en tout cas, si on fait un comparatif par rapport aux jeunes. OK, il y a effectivement une pyramide inversée, certes, mais qu'est-ce que peuvent nous apporter les seniors ? Les seniors, c'est simple, ils ont l'expérience, ils ont le network. Généralement, pour la plupart, en tout cas du moins on espère, ils ont réussi leur vie professionnelle, donc ils ont de l'expérience, ils ont développé des compétences intrinsèques, mais aussi des soft skills. Ils ont aussi, quelque part, peut-être pour certains, réussi, donc ils ont forcément du capital. Et bien sûr, ils ont cette vision 360 degrés de l'écosystème business. Donc on est face à une personne qui a forcément, je dirais, toutes les caractéristiques pour réussir sur le marché de l'emploi. Sauf que le marché de l'emploi, malheureusement, il nous offre beaucoup de surprises. C'est-à-dire, malheureusement, et si vous le regardez, en tout cas du moins c'est ce qu'on observe sur le marché de l'emploi, on a tendance, en tout cas dans les grands groupes et dans les entreprises, les multinationales, à se séparer des personnes seniors. Pourquoi ? Elles coûtent cher et en termes de productivité, entre guillemets, elles ne fournissent pas ce qu'attendent les patrons, les boss. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va tenter par divers moyens de faire partir les seniors à une pré-retraite ou tout simplement négocier un plan de départ et potentiellement aller vers cette question, je dirais, de reconversion professionnelle. Alors, quand vous avez 45-50 ans, compliqué de retrouver un emploi. Compliqué, ce que je disais tout à l'heure, vous coûtez cher et vous avez beaucoup d'expérience. Et généralement, si vous êtes dans un grand groupe, ça veut dire que vous avez été formaté dans un métier en particulier. Donc, essayez de retrouver un autre métier qui correspondrait, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez toute votre vie sur des équipements de tout ce qui est module embarqué dans les avions. Ensuite, trouver un autre job qui correspondrait au vôtre, un peu compliqué. C'est pour ça que lorsque vous êtes surtout dans des métiers hyper spécialisés, ça va être très compliqué, bien sûr, de se reconvertir, en tout cas du moins tout de suite. Première chose. Deuxième chose, ça c'est pour les personnes, je dirais, qui n'ont pas encore atteint la retraite. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que vous allez chercher un accomplissement, une forme d'autodétermination. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Bah, c'est simple, vous allez de vous-même quitter votre emploi parce que vous n'y trouvez plus, en fait, ni l'envie, ni la motivation, ni effectivement, j'ai envie de vous dire, ni la passion qui vous a animé durant toutes ces années. C'est ce que je disais de la personne qui a quitté son emploi pour aller ouvrir un restaurant. C'est exactement le type d'entrepreneurs qui veulent changer effectivement leur vie vers l'entrepreneuriat, vers de nouvelles expériences, vers effectivement un épanouissement personnel. Mais il y a l'autre côté aussi.
Il y a les personnes qui vont atteindre aussi, avant d'atteindre la retraite, qui vont perdre leur emploi. Donc, comment ils vont retrouver un emploi? C'est simple, ils vont le créer eux-mêmes, par nécessité. La nécessité s'applique énormément sur les seniors entrepreneurs, sur les seniors tout court. Et aussi, je vais aller plus loin. Pour les personnes qui ont atteint, les seniors qui ont atteint l'âge de la retraite, vous allez voir qu'on est face à quelque chose d'incroyable. Vous allez voir que les seniors souffrent pour la plupart de ce qu'on appelle une forme d'anxiété face à la mort. Alors, c'est un peu glauque ce dont je vous parle, mais c'est la réalité. C'est la terror management theory qui en parle. Plus vous approchez, on va dire, plus vous devenez senior, plus il y a une forme d'anxiété qui se développe. Pourquoi ? Parce que vous sentez que votre jeunesse est derrière vous. Et là, vous allez à grands pas vers, malheureusement, la fin. Et la fin de toute chose, c'est la mort. En tout cas, du moins aujourd'hui, ici, en tout cas dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et celui qui est connu. Donc, une anxiété s'installe. Donc, pour pallier à cette anxiété, les seniors vont essayer de développer ce qu'on appelle des stratégies de coping. C'est-à-dire des stratégies au niveau, bien sûr, psychologique, psychocognitive, pour endiguer cette anxiété. Donc, ils vont chercher à faire des activités, voyager, etc. Faire, par exemple, des activités avec des seniors. Ils vont s'occuper de leurs petits-enfants et ainsi de suite. Mais il y a une forme de désocialisation qui s'installe. Pourquoi on parle de désocialisation ici? C'est simple, parce que les seniors, au fur et à mesure, ils avancent dans l'âge, au fur et à mesure qu'ils sont arrivés dans la retraite, n'oubliez pas qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et durant toute leur vie, ils ont côtoyé des personnes, des collègues qui sont transformés en amis, et ainsi de suite. Et une fois à la retraite, ils ne les voient plus autant qu'avant. N'oubliez pas qu'une personne en moyenne passe 8 à 10 heures au niveau de l'entreprise. Et donc forcément, elle va développer des habitudes et surtout des relations de travail qui se transforment en relations amicales. Et le fait d'arriver à la retraite, c'est comme une coupure, une désocialisation par rapport aux personnes qui continuent à travailler, donc restent dans un écosystème duquel, en fait, la personne, le senior retraité, est sorti. Et donc, il sort du network, il est désocialisé. Donc, comment y revenir? C'est simple. La re-socialisation, pardon, elle ne passe que par l'entrepreneuriat. Et le senior entrepreneuriat vous permet cela. Pourquoi? Parce que si vous entreprenez dans le même secteur, même en étant retraité, ça veut dire que vous allez mettre à contribution votre network, donc les mêmes personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, et vous allez essayer de mettre à contribution votre expertise et votre expérience pour des projets nouveaux de consulting ou autre. Donc, ça permet de re-socialiser, surtout ça permet d'endiguer cette anxiété. Vous restez dans le marché d'emploi, vous restez actif, et donc, bien évidemment, cela impacte forcément et très clairement, en fait, votre capacité à résister au temps. C'est pour ça que les seniors, attention, ils font très attention, et vous allez le voir hein, très rapidement, quand vous discutez avec un senior, il va vous dire, moi, je me sens comme un senior, ou plutôt comme une personne de 40 ans. Je sens que j'ai une santé d'un jeune. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que c'est une question de perception. C'est ce qu'on appelle la santé perçue et l'âge subjectif. Ces deux éléments impactent forcément la capacité des seniors à entreprendre. Une fois que vous êtes dans le marché, en tout cas, et vous sortez de ce marché-là, vous allez vers le senior entrepreneuriat, ces deux éléments-là vont vous permettre d'assurer une forme de longévité. L'entrepreneuriat permet effectivement de vous sentir plus jeune. L'entrepreneuriat vous permet de vous sentir en bonne santé parce que vous êtes en activité. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est aussi de voir les choses, je dirais, différemment, et c'est aussi de transmettre. C'est pour ça que le senior entrepreneuriat ou le senior prenariat, comme on le prononce, bah, il permet d'assurer une continuité. Une continuité économique, sociale, humaine. Et aussi, en fait, ça vous permettrait de laisser une trace de votre passage. C'est ce qui caractérise le senior entrepreneur. Je passe très rapidement aux personnes atteintes d'un handicap. Les personnes atteintes d'un handicap sont des personnes qui vont aller chercher effectivement cette autodétermination. Ils vont braver la stigmatisation dont ils souffrent régulièrement. Dès lors que vous voyez une personne qui ne voit pas, vous avez une attitude qui change. Dès lors que vous voyez une personne sur une chaise roulante, vous avez une attitude qui change. Et bien sûr, vous êtes victime de discrimination. Et discrimination, en fait, elle est tout de suite reconnue dans le milieu du marché de l'emploi. Regardez en France. L'État et les institutions obligent
les entreprises à embaucher des personnes à hauteur de 6% des effectifs. Les entreprises préfèrent payer une amende que embaucher des personnes atteintes d'un handicap. Voilà où on est amené. Donc, si vous êtes face à cela, et en fonction de votre type de handicap, qu'est-ce que vous faites? Vous subissez en plus cette question de discrimination et surtout le regard des autres. Comment vous allez trouver un emploi? C'est simple. Les personnes atteintes d'un handicap vont aller le chercher. La GFIP, beaucoup d'organismes en France et dans le monde, aident les personnes atteintes d'un handicap à s'émanciper via l'entrepreneuriat. Didier Roche est le parfait exemple, on en parlera tout à l'heure. Victime de discrimination de la part de son banquier, victime de discrimination de par l'écosystème, il a réussi, il a perduré et il a réussi. Et ça aussi, c'est une des motivations des personnes atteintes d'un handicap. C'est tout simplement prouver aussi aux autres qu'on est capable de faire. Vous savez, on a mené une expérience, ce n'est pas une expérience, mais on a mené un projet, pour être très factuel. Un projet d'accompagnement avec l'UPTI, donc dont Didier Roche est le président. On a pris des étudiants dans le master entrepreneuriat, on les a mixés avec des personnes souffrant d'un handicap qui veulent créer des entreprises. On leur a demandé de coacher, effectivement, les personnes atteintes d'un handicap. Un constat sans appel est toujours le même, en tout cas dans la grande majorité des cas. Un, les étudiants ne sont pas prêts psychologiquement pour accompagner effectivement les personnes atteintes d'un handicap parce qu'ils ne sont pas sur le même modèle cognitif. Deux, les personnes atteintes d'un handicap, dans la plupart des cas, et c'est là où en fait on va trouver que la motivation pour créer une entreprise n'est pas la bonne chez ces personnes-là, pour la plupart. C'est tout simplement créer l'entreprise pour prouver aux autres qu'on est capable de faire les choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je l'ai dit effectivement aux personnes atteintes d'un handicap que ce n'est pas la bonne source de motivation. La bonne source de motivation, c'est de créer son emploi. La bonne source de motivation, c'est d'aider les autres, créer de la valeur économique et sociale, dynamiser un territoire, c'est ça les vraies motivations. Et vous savez pourquoi j'adore Didier Roche? C'est parce que tout simplement, il a raison. Il vous dit la chose suivante. Si vous lui dites vous êtes un handipreneur, vous savez ce qu'il va vous dire? Je ne suis pas un handipreneur, je suis un entrepreneur. Être un handicap, c'est quelque chose qu'on porte, mais c'est quelque chose, en fait, qui ne nous caractérise pas en tant qu'entrepreneur. Et Didier Roche est tout simplement extraordinaire quand il vous prouve et vous montre par A plus B que tout est possible. Vous ne pouvez que l'écouter et vous dire qu'au final, l'entrepreneuriat est effectivement une source d'émancipation et l'entrepreneuriat vous permet de dépasser, en fait, les frontières du possible et surtout vous permet de vous dépasser vous-même en tant qu'individu. L'émancipation passe pour ces publics-là, par l'entrepreneuriat. Les réfugiés à notre public, effectivement, qui arrivent à cela, c'est tout simplement, ils ont perdu la famille, ils ont laissé leur famille quelque part, comme les Syriens, etc., en Irak. Ils ont laissé leur pays, leur culture, leurs affaires, leurs biens. Ils sont loin de chez eux, de leur famille, et ils arrivent dans une nouvelle culture avec une nouvelle langue, avec de nouvelles habitudes, avec de nouveaux rituels, avec de nouvelles façons de faire les choses, avec un nouveau relationnel, avec, je dirais, une problématique administrative à régler, la carte de séjour, demande de réfugiés, d'asile politique, la guerre pour avoir la fameuse carte de séjour pour pouvoir travailler. Je n'ai pas habitué à ça. La plupart avaient des situations plus que stables. La plupart étaient peut-être des entrepreneurs, des médecins, des pharmaciens, des professeurs, des entrepreneurs, des commerciaux, des commerçants, et se retrouvent sans rien dans une nouvelle société où ils vont subir la discrimination comme d'habitude. Vous voyez, en fait, dans les trois cas, les différents profils, il y a toujours cette question de stigmatisation et de discrimination qui revient. Et l'idée, c'est comment s'adapter le plus rapidement possible à cette nouvelle culture, comment trouver ces nouvelles marques, comment créer un nouveau chez-soi là où on n'est pas chez nous. C'est un entrepreneuriat de nécessité. Intégrer une société, se socialiser et pouvoir prétendre à une citoyenneté passe par l'entrepreneuriat. Les réfugiés arrivent et permettent de le faire. Ils se donnent les moyens. Sigma, par exemple, en France, est une structure à Paris et dans le monde maintenant, elle est présente partout, en New York, etc., au Canada et j'en passe. Elle arrive à créer des startups avec ces réfugiés-là. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement parce qu'on n'a pas le temps.
J'ai un ami réfugié sans citer le nom qui a évolué à Singa, et je salue au passage Alice de Singa. Il a essayé de créer son entreprise et il a réussi avec de fortunes diverses et variées. Et l'un de ses amis, qui était journaliste iranien, qui a réfugié en tant que réfugié, il a essayé de créer un journal. Il a été à la banque pour ouvrir un compte. Impossible. Bizarrement, il est revenu, il s'est mis en duo, en équipe entrepreneuriale, réfugié et franco-française, et tout de suite la banque a ouvert le compte. Et ça a facilité les choses. Vous voyez les barrières à l'entrée à l'entrepreneuriat, comment c'est dur pour des publics désavantagés que sont les réfugiés. Vraie histoire, et ce n'est pas la seule histoire, il y en a tellement des histoires. Donc les réfugiés, les seniors, les personnes atteintes d'un handicap souffrent tous de ces problèmes. Beaucoup de success stories, bien évidemment. Didier Roche qui a créé bien sûr l'UPTI, qui a créé Ethic, le groupe d'investissement, qui a créé les restaurants dans le noir. Waouh, quel personnage! Il a bravé toutes les montagnes. Je vais vous raconter une anecdote très rapide dont il m'a parlé. Pour la première fois, il est allé ouvrir un compte pour ouvrir sa société. Le conseiller de l'époque, clientèle sans citer la banque, qui est une grande banque française, l'a regardé et lui a dit « Comment vous voulez gérer des individus si vous n'y voyez rien ?» Mouad Altrad, un réfugié, entrepreneur, super entrepreneur, grosse fortune, arrivé en France d'une maman décédée, d'un papa violent, né d'un viol, dans une bourgade au fin fond, je crois, de la Syrie, ne connaît même pas, en fait, sa date de naissance, ne savait ni lire et écrire, a appris sur le tas, a été aidé par quelqu'un sur place, et est venu, a eu son bac en 2000, je crois, à 17 ans, très doué, tout de suite entré dans les affaires et passé par différentes entreprises, et ensuite acquérir, ouvrir, en tout cas, a acquis avec un ami à lui, donc une entreprise en difficulté, ensuite a monté, bien sûr, au Baltrad. Très belle success story qui est celle de Mouad Altrad. Richard Branson, c'est une success story, mais c'est toujours un entrepreneur, un serial entrepreneur, un senior qui arrive à créer de la valeur là où il n'y en a pas, avec une vision incroyable. Des publics stigmatisés, mais qui arrivent à créer de la richesse. Des héros des temps modernes, pour moi, ce sont eux qui nous donnent l'exemple et qui nous permettent effectivement d'avancer. Merci beaucoup, merci de votre attention. Ayman, if you want, we can move to the question. Sorry, I speak a lot, but this is an impressive and I like this subject. No, absolutely, this is great. This is close to your heart, is what I meant here, which is why when you speak, time flies here. But what I'd like to do is ask everybody here to ask questions here, even if you ask him in English. It's okay, we can translate that where he can understand. But if you want to also write them in French, he can read them, or I can read them in French and you're going to make fun of me, but I'll try my best. So let's see if you have any questions or comments, anybody? Why don't I start with one, Adnan? And I know this is something that I'll ask the question from my parents' perspective. Yeah. Okay, because my dad is close to 90 years old, and my mom has always serious ailments here. Yeah. So what we have done is we basically have put them into an apartment and closed the door and threw the keys away because of all that's going on. But how long can we continue like this with the senior people in which they are very close and loved ones, especially with the news of what's happening, that this COVID-19 is killing a lot of the senior people in the senior care or the elderly care here. What's your reaction to this? You want an answer in English or French? No, answer it in English and French. Why not? So I can understand. Okay. I will answer. You want an answer in English, right? I don't hear. Excuse me. Yeah? In English and then French, yes. Okay. I will try both. Okay. Complicate the situation about this elderly people. The COVID-19, of course, is it's a tragedy. It's a tragedy, especially for elderly. I don't know if you follow the statistic around the world, Ayman, you will see that the most important rate of death is about elderly. Why? I think there is a problem of health, of course, and of perceived health, etc., etc. But for elderly entrepreneurs, I think this COVID, it means a lot of things.
For example, if there is an elderly who have a company selling masks, or I don't know, they're pushing some masks for the medicine, for the nurses, etc., etc. This elderly entrepreneur has 70 years old, and when he go every day to his business unit, to his office and work every day, and he brave the pandemic. I think it's about DNA. It's on the DNA of the people, you know. And these people, you know, it's not about socialization or something like that. It's simply because they want to push, you know, and let a mark of their job in this pandemic, and to show to the people that everything is possible. If I translate in France, it's simple. J'ai envie de dire que les seniors, en fait, sont tout simplement dans une perspective de continuité. Assurer une continuité et assurer un passage de leur passage, en tout cas du moins, mettre en avant un passage et leur passage sur cette planète. Et le fait d'entreprendre dans le cas du COVID-19, ça leur permet en fait d'exister et de montrer aussi aux autres qu'on est capable de faire les choses. Alors, quand bien même qu'on est senior, le fait de se confiner n'est pas la solution. Le fait de trouver des solutions est la solution, tout simplement. Entreprendre est la solution. Qu'on soit senior ou jeune ou femme ou atteint d'un handicap ou réfugié ou immigré ou peu importe, l'idée, c'est tout simplement de proposer des solutions. C'est de trouver des solutions pour le bien-être du collectif. Et à mon sens, en fait, cette crise a montré aussi que les personnes discriminées comme les immigrés, les sans-papiers, etc., on a démontré, en fait, et toutes ces femmes, en fait, qui travaillent pour le foyer et ainsi de suite, ce sont eux la base, en fait, de cette société. Ce qui nous a laissé fonctionner, c'est aussi les auto-entrepreneurs, les livreurs de la logistique et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, nous permet de comprendre qu'en fait, les entrepreneurs désavantagés, au final, ce sont eux qui permettent à l'économie, quelque part, de fonctionner et d'assurer un fonctionnement, je dirais, du moins permis de sauver les meubles. C'est ce que j'ai envie de dire. Et les seniors particulièrement, je pense que c'est notre meilleur exemple. Ils ont démontré aussi, malgré en fait, le risque énorme qu'ils pouvaient, en tout cas, pouvaient engendrer le Covid sur eux, ils ont quand même été là, ils ont été travaillés, ils ont fait les choses, ils ont entrepris, ils ont continué leur activité, et ça, c'est tout à leur honneur. Thank you, Ayman. If you have another question? Ayman? Yes, there's a question here, and it's French. Can you see it or no? It's in the chat. Quel type d'accompagnement et formation peut être efficacement proposé pour ces entrepreneurs par nécessité? The question aiming here is what kind of mentoring and help and education you can give to this disadvantaged entrepreneur and the entrepreneur by necessity. Okay. And I will answer in French and after in English. It's complicated. Why it's complicated? I will tell you. When you talk with a disabled entrepreneur and you tell him, okay, let's manage for you a special, you know, mentoring, and we'll give you a special coach to help you because you are disabled and you need a special support. He will tell you what? No, excuse me. You need to give me the same support like every entrepreneur. You can't consider me like, you know, a disabled. I'm an entrepreneur. This is what you need to say. Nothing else. It means for them, for most of them, there is no difference, you know, between this disadvantaged entrepreneur and the other people. And they need to be considered as an entrepreneur and not, you know, like an elderly or a refugee or something. Because when you say elderly entrepreneur, when you say disabled entrepreneur, when you say, I don't know, refugee entrepreneur, prisoners entrepreneur, you know, ex-mate, you stigmatize them. You are in the discrimination of this kind of people. And you don't give them the chance to manage their creativity, their innovativity, their entrepreneurship spirit. And directly, you push them in a certain, I would say, position. In disadvantaged people, in people who are not, you know, like you and me.
It's not true. These people, you know, have a spirit and a fighting spirit and motivation like lions. They are hero. They're the new hero of this new, you know, nowadays, for me, they are the new hero of all of this entrepreneur we found elsewhere. They push a lot of creativity. They saw things you don't see them and no ordinary people saw them. They found opportunity in their disability, in their aging, in their situation as prisoners. Look at Didier Roche, for example. Didier Roche is blind. He don't see. You know what his push as a business? It's simple. He innovate in terms of restaurant. He push a restaurant in black. This is how he push the restaurant. It means this is the name of restaurant en noir, mean black restaurant or restaurant in black or something like that. And the idea is simple. It's a new experience for people. You come to a restaurant and everything is black. You don't see anything. And you need to eat and to share this experience like a blind people or someone who don't see anything. It's an impressive success. He opened a restaurant in Paris, in London, in Barcelona, etc., etc. And he see, thank you, Guillaume, he see things that no one see. It's impressive. He push another business. He tell you, okay, what is the principle of massage? It's about, you know, how you smell things, how you breathe things, how you push these things. And he push salon of massage like a blind, you know, you go to the to massage center and you will take a massage in a black, you know, rooms to hear this experience. He said that I think the business is massage dans le noir. It's a success. And after he push a private equity fund to push social and human, you know, business. It's impressive. Don't forget that this guy, when he go to the bank and see a person there and discuss with him to have a loan and to open an enterprise account, you know what the person there say? Excuse me, this is what I say in French before. Excuse me, sir, how you don't see anything? How you can manage people? It's a real story. And now you understand the real motivation of the people. And that's why they don't want to have this term entrepreneur or disabled entrepreneur. They just need the term of entrepreneur. Ils ne veulent que le terme d'entrepreneur. Ils n'ont pas besoin de structure d'accompagnement particulière. Ils se considèrent comme des entrepreneurs, donc vous ne pouvez pas les mettre dans les moules que vous voyez. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des personnes atteintes d'un handicap, des prisonniers, des immigrés, des réfugiés, vous ne pouvez pas vous mettre à leur place, sauf si vous en êtes un. Et là, vous verrez que vous allez chercher par tous les moyens à vous socialiser. Vous allez éviter la case, effectivement, stigmatisation. Vous allez tenter d'entrer dans la société, de vous habituer, d'en prendre, je dirais, la culture, de l'embrasser, de vous acculturer. Et pour ce fait, vous devez être considéré comme un citoyen, comme un autre, et non pas comme une personne atteinte d'un handicap qui souhaite créer une entreprise, ou un senior, ou un réfugié. Non, vous devez effectivement dépasser cela. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes veulent être traités de la même façon que n'importe quelle personne. Et c'est ce qui fait leur force aussi. Donc, avoir des structures particulières, je ne suis pas du tout convaincu. J'ai tenté l'expérience et j'ai souhaité mettre en place et proposer un incubateur, par exemple, pour les personnes atteintes d'un handicap, pour l'accessibilité, etc. Mais sauf que l'accessibilité, elle est obligatoire maintenant pour toutes les structures. La personne qui va vous accompagner, pourquoi elle ne vous accompagnerait pas vous plutôt qu'une personne atteinte d'un handicap ou un senior? C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut dépasser les discriminations et accompagner de la même manière et mentorer effectivement les personnes de la même manière. Thank you, Ayman. Okay, I answer to the question, I think. Oh, this is very good here. We have a couple more minutes left here. Yeah. I think there was one more point I wanted to ask you about here. But as we move post COVID-19, Winslow Sargent says there's A, there's BC, and then there's AC.
Yeah. Before Corona and after Corona. Yeah, exactly. And I also said it's the generation Corona. Exactly, exactly. Corona. And so, your new magazine, I like it, yeah. So what I'd like to ask you here, how would you tie this to the future then? How would you see it, saying everything is leveling the playing field here, but how do you see it in the future here? Because all the rules are out. There's the status quo has ended and everything is new. How do you see this moving forward with for instance, your university, IPAG? Mm-hmm. Would you start a master's program, an MBA program for just entrepreneurs, as you mentioned, said, we don't need to give them any name, and develop things for them so they have an avenue? Yeah. What's your thoughts? Exactly. I will answer in English and after in France, quick. Thank you, Ayman. So this is a real good question because, you know, the higher education actually is completely changing. You talk on your on one of the your paper with Winslow about the new normal. You talk about the post-corona, generation corona. Yeah, the generation corona is simple. They are completely addicted to, you know, to the phones, to the iPad, to the smartphone, to the digital, to the social networks, etc. It's simple. For example, if I give you the example of IPAG Business School, IPAG Business School is one of the schools that switch in 2 days. I will tell you on Friday 16, I think the President Macron announced the end of the activities around the country. On Monday, at IPAG Business School, we give lectures online with the support of our learning lab and digital lab. Both work on all the staff and all the professor give their lecture in 2 days. And students go to the virtual rooms and assist to the virtual lectures. It's amazing. I give you an example. I have in one lecture something like 59 students. From the beginning of the pandemic to today, my last lecture is in 1 week, I have something like 95% of the students that follow the lectures. It means this is the new normal. If you see the new normal also, you know, for example, at IPAG, for the next coming month, we dematerialize, digitalize all the lectures for the next month, for September, for example, for the next semester. We push a lot of Facebook Live. We push a lot of webinar. As you say, as you are doing, Ayman, with ICSB, this is impressive. We see the new normal. Everything is changing. What I saw also is that why I go every day to the office, and I spend a lot of time at the office. Okay, it's for socialization, etc. But what I see is I can work from home. I work from home from something like 2 months, and there is no problem. I discuss with my dean every week. For example, our dean push, you know, some meeting, virtual meeting, to keep this contact and the social, not the social distancing, but the social, to socialize with all the professor and the administrative staff. At IPAG Business School, for example, our I will tell you a secret. It's not a secret. I don't know if Guillaume may hear me, but all our recruitment in professor are digital professors. Why? Because we are trying, you know, to take, you know, kind of advance, you know, to the new strategy, and we have a new strategy. I can't tell you what is our new strategy, but I think it's a good strategy. And this is the new normal. We are on the new normal. It's easy to see, to say, Ayman, we can dematerialize, digitalize all the lectures. But you cannot just, you know, use, I don't know, Blackboard, Microsoft Teams, Zoom, and give your lecture. No, there is a strategy, education, you know, strategy. It's a plan. You cannot say that, okay, I will use, you know, these virtual rooms and that's it. No, you need to adapt the pedagogy. And this is what we are doing at IPAG. If you look at IPAG Entrepreneurship and Family Business Center, we manage webinar, we push, you know, Facebook Lives, we give lectures. Actually, we launch, you know, some short program, executive education. Also, for example, Andrea Calabo will push with you an amazing, you know, conference on family business.
You manage an impressive with Alex de Nobel conference with more than 1,100 people, research assist to this conference. This is the new normal. We are watching the new normal. What we are pushing now at IPAG, the virtual incubator, is the same. We can manage, you know, and mentor, you know, entrepreneur, student entrepreneur, just with the platform. And the platform will be go out, I think, at the end of June. And we work on it from something like 18 months. It means we are avant-gardist, we say in France. We are innovative. And this is the pure quality of IPAG Business School. Agility, creativity, humanity, education. The students are our principal, I would say, center of interest. And around you will find pedagogy, professor, staff, dean, directors, entrepreneurship program, CSR program, logistics program, marketing program, etc., etc., etc. Sorry, Eamon, I speak a lot, and I think we push a lot of... We are. I want to thank you. You did an exceptional job here. What we have done in ICSB is, I think it started also that the idea was circulated, is why have webinars only in English? So we did yesterday the first one all in the Arabic language. A couple of weeks ago, we did one all in the Spanish language. Today, we did one in the French language. And so what we've done, ICSB has decided that once a month, we're going to have webinars in different languages. So starting in June, we'll have once a month a webinar in Arabic, a webinar in French, a webinar in Spanish. We asked our colleagues in Italy. We asked our colleagues in Korea. We're going to ask our colleagues around the world to come and do a whole webinar in the language there. So eventually, we'll probably have 7 or 8 languages there. I'm also including another new language, Adnan. It's called Broken English. We're gonna have a webinar only in Broken English. So half sentences work for me with that. So I wanna personally thank you. I wanna thank IPAC for being a very strong partner of ICSB. I will talk to you soon, but we'll also said, as I mentioned to you, we're gonna have a major celebration next year in July in Paris with IPAC and ESCA. As well. So thank you very much. Have a wonderful, safe for everybody else. Have a wonderful and safe weekend. In about an hour, we're going to start our happy hour. So please join us in the happy hour. And then I look forward to seeing you in our happy hour too. Yeah, for sure. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.